Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se lance le challenge fou de regarder le film du Train Eater à 3h du matin. Ah là, ça ne rigole plus les gars. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monstre de la fondation SCP. Je vous affiche la représentation de Train Eater. Ce monstre se déplace à travers les voies ferrées et c'est très clairement la concurrence directe de Thomas le Train ou encore de Choo-Choo Charles. Alors pour ce challenge complètement fou de regarder le film dangereux du Train Eater, je ne suis pas tout seul, bien évidemment, je suis en compagnie de Sim Spooky. Oh mec, Robtek, j'ai vraiment hyper peur. C'est pour cela que je me suis équipé de cette peluche Thomas le Train. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, et bah au moins je serai rassuré. Et d'ailleurs, vu qu'on va se regarder un film, j'espère que tu m'as préparé quelque chose comme du genre un popcorn, des gâteaux et des boissons. Alors là, Sim Spooky, j'ai eu un petit problème. Je veux te dire que notre machine à popcorn est cassée. Elle fonctionne plus. Ça veut dire que c'est foutu pour les popcorn. Mais viens, regarde sur la table. Regarde ce que j'ai apporté. Une délicieuse pizza. Regarde. Là, on est bien. Alors, dès à présent, je vous le dis, vous avez 5 secondes pour tout de suite liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore déjà fait. C'est hyper important. Et si vous arrivez vraiment à faire ça en l'espace de 5 secondes, vous êtes des boss. Incroyable. Allez, bon, on perd pas de temps. Vas-y. Sim Spooky, on se met sur le film. Allez, go. Allez, je me sors une bonne part de pizza et je lance le film. Ok. Allez, mec, let's go. Oh, je lance, tu vas voir. Eh, hey, en fait, je t'ai pas dit. Regarde, c'est un film animé spécial que j'ai trouvé sur le Dark Web. Mec, t'es pas prêt. Je pense que là, vous êtes pas prêt. Les gars. Regarde. Oh, c'est pas ça. Attends, en fait là je t'explique. C'est le SCP-096 qui rencontre le Train Eater, gros. Regardez. Les gars, regardez, c'est sérieux, c'est un truc de fou furieux. Lui il a l'air complètement possédé, t'as vu? Regarde. Ouais. Il est en train de dévorer tout le monde. Ah, il fait un carnage. Lui, c'est le SCP-096. Mais nous, ce qu'on veut voir par la suite, c'est le Train Eater. Regarde, mec. Attends, il va arriver. Ah, je pense qu'il va arriver, là. Attends. Oh ah, c'est lui. C'est ça, c'est lui, le Train Eater. Ah, mec, c'est quoi ce délire? Oh, j'ai peur. T'as vu, gros? Eh, c'est une dinguerie. Attention, parce que là, on peut voir la rencontre entre le Train Eater et le SCP-096. Et là, non. Ça part carrément en confrontation, gros. Je pense que c'est le Train Eater qui va gagner, hein. Surtout que tu vois pas comment il se déplace hyper rapidement. Je crois que là, le SCP-096, il est foutu. Je crois qu'il est foutu. Ouais, je pense que c'est foutu pour lui, hein. Toto. Regarde. Wow. Je pense que t'as vraiment raison. Là, je pense que c'est clairement le Train Eater qui va battre le SCP-096. Ah oui, il va finir en chair à pâté. Regarde-moi ça. Attends, peut-être qu'on a parlé un peu trop vite, hein. Attends, regarde. Oh, c'est chaud. T'as vu? Hey. Oh, il a arraché un wagon. T'as vu, il a carrément arraché un wagon. Oh mec, il s'en sort bien. Attends. Oh. Attends, là c'est pire parce que c'est devenu Spider Train Eater. T'as vu? Il a des pattes d'araignée. Mec. Non mec, c'est flippant, c'est clairement flippant là. Oh. Oh non. Oh. Je crois que c'est ça, c'est clairement le cri de la victoire. Attends, parce que là regarde, ça enchaîne directement avec la rencontre entre les Among Us et les Train Eater. Mec. Oh, regarde, on se retrouve carrément dans une station de train. Among Us qui viennent de débarquer. Là. Regarde, il est carrément équipé d'un produit de désinfection anti-Train Eater, gros. Oh. Ah, ça rigole pas. Ça rigole, mais vraiment pas là. Oh, attends, vas-y, donne la boisson vite fait. Ça fume. Ah, regarde. Le wagon se transforme complètement. Il est complètement devenu en Train Eater. Ouais mec, c'est dingue. Oh mec, alors là les Among Us ne vont pas laisser faire ça. Ils vont tout faire pour l'éliminer. Regarde. Le but c'est de lui crever tous ses yeux. Et je crois que s'il y arrive, eh ben le Train Eater il meurt instantanément. Mais oh la dinguerie. C'est un truc de fou mec. Mais je sais pas s'ils vont y arriver. Oh regarde. Ben, ah c'est quoi ça? C'est le monstre qui contrôle le Train Eater. T'as vu ou pas? Oui. Oh mec. Attends. Oh, il s'est écrasé contre le mur. Mec, il est devenu tout raplapla. C'était le terminus, je crois qu'il a pas pu s'arrêter, hein. Oh, regarde. Il y a des Among Us qui sont... Il y a des Among Us zombies qui sont déployés depuis le Train Eater. Mais c'est quoi le délire? Ça va, ils se sont clairement fait neutraliser. Bravo les Among Us, hein. Ils font un bon boulot, hein. Mec. Oh. Mec,
un vieux qui se fait manger. Non. Wow, regarde, ils ont débloqué une tronçonneuse. Oh, wow, qu'est-ce que... Avec la tronçonneuse, ils sont carrément en train de découper le trimiteur. Oh, et t'as vu, il a même réussi à délivrer des Among Us. Ouais. Oh non, maintenant il y a le boss. Oh non, c'est le boss du trimiteur qui vient de sortir. Non. Comment ça va se terminer cette affaire, les gars? Je sais pas, mais là c'est sérieux, là c'est vraiment sérieux. C'est une dinguerie. Est-ce que vous pensez que c'est les Among Us qui vont l'emporter? Attends mec, qu'est-ce qu'ils font? Mais regarde, le but c'est de crever tous les yeux du trimiteur pour l'éliminer. Là. Oh, wow. Qu'est-ce qui se passe, mec? Oh, ils l'ont bien eu là quand même. Attends, hein. Je crois que là le trimiteur il est finito. Il est bloqué. Oh mais attends le combat ultime. Attends mais le Trinitors vient de se faire éliminer. Foutu, finito les gars. Le monstre qui contrôlait le Trinitors s'est complètement fait éliminer. Il est mort, ça y est, c'est fini gros. Ouais, ça y est, il est mort. Bah on peut dire que c'est les Among Us qui l'ont emporté gros. Ah bah oui c'est clair. Quoi? Eh hey, t'entends pas? Non, j'entends rien là. T'entends pas, gros? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. T'es sûr? Oui. Attends, vas-y, j'ouvre la fenêtre, gros. Ouvre la fenêtre. Mec, c'est... Ouais, c'est... J'entends un train, là. On entend les trains circuler. Mais écoute, on entend clairement le klaxon des wagons, mec. Oui. C'est quoi ce délire? C'est étrange. C'est pas normal. Il est actuellement l'heure de 3h du matin. Normalement, toute l'activité des trains est à l'arrêt. Mais là, non. Ils sont étrangement en continuelle activité, là. C'est ouf, ça. C'est trop bizarre, mec. C'est quoi, ça? Mec, ça a sonné à l'entrée. C'est vraiment bizarre. Oh. Oui, c'est trop bizarre. Je commence à flipper, mec. Heureusement qu'il y a la peluche Thomas le train. Ça me rassure. Et tu sais quoi? Tu viens avec moi. On y va à deux. Allez, viens. Ouais, bon, si on y va à deux, c'est d'accord. Allez, ouais. dépêche. Attends, doucement, gros, t'es fou. Attends, tranquille. Attention. T'es prêt. Attends, on ouvre direct comme ça, là. Allez, on ouvre. Non, mec, t'es fou. Quand faut y aller, hein. Attends, t'es fou, quoi. Okay. Y'a quelqu'un? Eh oh. Y'a quelqu'un? Oh, tu vois quelque chose? Tu vois quelqu'un? Là, regarde. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Attends, regarde ce qu'il y a sur le plafond. Il y a clairement une affiche. Attends, laisse-moi analyser. Je crois que c'est la représentation du trainiteur. Oui. Oh, t'as vu? Oui, on le reconnaît bien avec ses dents très pointues et les yeux tout partout sur le wagon. Non, mec, c'est sûr, c'est ça, mais non. C'est quoi, ce délire? Regarde derrière. Y a quoi derrière, gros? Quoi? Go to the trainiteur GPS point. Oh, attends, c'est quoi, ça? Non. Me dis pas qu'ils nous ont donné des coordonnées GPS. Attends, mais donne-moi ça, les gars, je stresse. Viens. Il est clairement écrit aller au point GPS inscrit et répéter 3 fois trainiteur. Pourquoi faire ça? C'est quoi? Mec, si je comprends bien, c'est pour invoquer le trainiteur, quoi, à mon avis. Attends, si je prends l'ordinateur, les gars, avec moi. Je vais rentrer la fameuse position GPS qui est inscrite sur cette feuille et on va voir où est-ce que ça pointe. Les gars, je vais regarder ça tout de suite. Là, c'est ça. Oh, regardez. Ah, c'est ça, les gars, je crois, j'ai trouvé. Mais attendez. Oh, regardez ce qu'on peut y trouver, là. Des locomotives complètement détruites. On voit complètement des voies ferrées avec des locomotives complètement détruites sur mon écran. Ah, mais attendez, c'est sûr, les gars, ça y est, j'ai compris. Ça doit sûrement être les voies ferrées abandonnées là où vit le trainiteur. C'est sûr, et c'est sûrement lui qui a détruit toutes les locomotives. Je pense que dès maintenant, ce serait très très intéressant de se rendre sur place et on peut peut-être essayer d'expérimenter l'invocation du trainiteur. Oui. Et les gars, on y va, Sim Spooky, on y va. Let's go. Ah, non, mais Robtech, j'ai trop peur. Ok, moi j'y vais que s'il y a Thomas le train avec moi, ça me rassure, hein. Allez, on est en route, les gars, en direction des fameuses voies ferrées abandonnées. C'est chaud, Sim Spooky, t'as des nouvelles? Ouais, regarde, on s'approche bientôt là, regarde, c'est juste là. En fait, c'est plus que les voies ferrées là, les gars, c'est la gare abandonnée. Ouais, carrément la gare abandonnée, mec, t'es fou, c'est chaud là, mec. On y est, en fait, on est arrivé. Regardez, Sim Spooky, là devant. Vas-y, regarde, les gars. Chaud, mec. Vas-y, allez, on y va, let's go. Oh, mec, Sim Spooky, là, c'est du sérieux, les gars. Là, on se trouve vraiment à la position GPS qui nous a été donnée. Attends, là, Sim Spooky, est-ce que t'es chaud, là, tout de suite, pour essayer d'invoquer le trainiteur ou pas? Je sais pas, ça me fait un peu peur, mais bon, on n'est pas venu ici pour rien. C'est vrai, tant qu'on y est, les gars, là, autant essayer d'expérimenter l'invocation du trainiteur. Mais en plus, c'est facile, sur la feuille, c'était inscrit qu'il fallait répéter trainiteur 3 fois. Et bah, ok, on se rapproche des voies ferrées. Venez, là, c'est là.
Oh, c'est juste là. Regardez, les gars. Attends, non, je vais faire attention. Sim Spooky, tu le fais ou je le fais? Vas-y. Fais-le, toi, fais-le. Ok, ça va. Ok, j'essaye. Ok, viens. Ok, les gars, on est tout juste au bord des voies ferrées là. Je commence. Allez. Trainiteur. Il se passe rien? Ok, répète. Répète pour voir. Ok. Trainiteur. Mec, attends. Eh, hey, j'entends. T'entends? Attendez quoi? Les gars, vous entendez? Ah, on entend la locomotive. Non, c'est ça. Ça approche, mec. Attends, c'est attends. Sûr. On se décale des voies ferrées. Ça se rapproche, Mec, je... Mais c'est pour qui ça va? Oh, mais t'as vu quand il est passé? Le sang la tremblait tellement fort, gros. Faut pas rester là. Je m'enfuis, gros. Attends, c'est pour qui? Attends-moi. Oh non. Venez, les gars. Non, mais attends-moi, c'est dangereux. Attendez. On va se cacher là, les gars. Ok, moi je suis caché. Attendez, Sim Spooky. Mais où est Sim Spooky? Sim Spooky, il est parti où? Je crois qu'il est parti par là. Sim Spooky. Mais non, mais il est bête, il est parti où? Oh, attendez. Oh, là, regardez les voies ferrées. Oh, je vois que je me suis bien accroché au grillage, mec, j'aurais pu m'envoler, gros. Attends, mais il est passé à une vitesse fulgurante. Mais où est passé Sim Spooky, par contre? Non, Sim Spooky. Oh non, ça y est, je stresse. Faut le retrouver, il était parti par là. Vite, on y va. Oh, attendez, là. Regardez par terre, les gars. Non. Mais les gars, c'était bien la peluche de Thomas le Train que Sim Spooky avait depuis le début. Non. Oh, il est arrivé quelque chose de grave, c'est sûr. Écoutez! Non! Par là! Vite! Let's go! Vite! Oh, ce bruit par là, c'est sûr que c'est par là! Vite! Je vais essayer de me frayer un chemin! C'est difficile! Ok, venez, suivez-moi! Sim Spooky, t'es où? Sérieux, t'es où là? Non, mais j'ai peur! La Trainiteur est dans les parages et Sim Spooky, il est disparu! Je sais pas où il est parti! Non! Oui, j'ai une idée, les gars! Je vais prendre la peluche, Thomas le Train, je vais la jeter sur les voies ferrées, ça va peut-être forcément faire fuir Trainiteur! Je le fais, viens! Regarde! Là! Je la jette là? Regarde, je la jette là, comme ça! Là! Là, regarde! C'est bon là! C'est bon! Ok, j'espère que ça va pouvoir aider Sim Spooky! Hey, Sim Spooky! Sim Spooky, t'es où? Sim Spooky! Faut le chercher, faut le trouver! Oh, là! Oh! Hey, mec! J'ai eu chaud! Spooky, viens! J'ai eu chaud! Y'a le Trainiteur qui m'a poursuivi, mec! Ouais, j'ai échappé belge, il a failli me manger tout cru! Ça veut dire faut pas rester là! Attends, je rêve ou? C'est ma peluche Thomas le Train là qui est sur les rails! Non! Oh, attends! Ma peluche! Non! Ma peluche, elle est où? Mais attends! Mais. Hé, Spooky! Attention! Non, arrête! Mais te penche pas trop comme ça sur les voies ferrées, tu pourrais tomber! Et si tu tombes, là, t'auras aucune chance! Trainiteur va te manger! Oh là là! Faut partir, on est obligé de l'abandonner, la peluche! On est obligé! Allez, on s'en va! Oh, non. Mais vite! Allez, on s'enfuit! On l'entend! Eh mec, il est derrière! Regarde, on l'entend, il est là! Vite, faut courir, vite. On se réfugie en bas du métro. Allez, ouais, les gars, on va descendre au métro. Là, il pourra pas nous atteindre. Vite, c'est par là. Allez. Go. Eh, gaffe, tombe pas, mec. C'est bon, là, on est en sécurité. Lâche, les gars, on était obligé de descendre jusqu'au métro pour se mettre en sécurité. Le Trainiteur utilise très clairement toutes les voies ferrées et je pense qu'il essaye de nous attraper. On est obligé de se cacher. Mec, c'est chaud quand même, hein. Okay, écoute, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir le lendemain et je vais m'équiper mon drone et je vais survoler toute la gare et toutes les voies ferrées abandonnées. On va voir ce qu'on peut y trouver, okay. Mais je pense que ça peut être très très intéressant, Sim Spooky, d'accord? Vas-y, je suis d'accord, allez, okay. Let's go. Alerte, les gars, l'heure est grave. En ce moment, c'est le grand retour de Thomas le Train pour l'exé. Et oui, vous m'avez très 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 bien entendu là. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je veux parler, je vous explique, c'est simple. Il existe deux versions de Thomas le Train. Il y a la version de base, Thomas le Train normal, et il y a la version démoniaque qui s'appelle Thomas le Train pour exé. Et cette version démoniaque de Thomas le Train peut se métamorphoser en une géante araignée avec de très 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 longues pattes toutes poilues. Et oui, ça fout la chair de poule, les gars. Franchement, ça fait un peu flipper. Ces pattes toutes poilues là, franchement, oh, c'est dégoûtant. En tout cas, cette version démoniaque de Thomas
Thomas le Train terrifie le monde entier, les gars. Non mais franchement, il a une apparence vraiment, vraiment, vraiment terrifiante. Et je pense que même toi, Sim Spooky, tu dois en faire des cauchemars la nuit, hein. Je me trompe? Mais non, pas du tout. Moi, je suis courageux, je suis un bonhomme, hein. T'inquiète pas, moi, je fais pas de cauchemars. D'accord, d'accord. Attends, t'es sûr que t'as pas peur? Et si je te dis qu'aujourd'hui, je prévois d'essayer de m'approcher de Thomas le Train.exe? Et oui, oui, j'ai prévu de faire une partie de drone et on va essayer de le capturer avec la caméra du drone. Alors, comment tu te sens là maintenant? Non, mais t'es sûr là? C'était pas prévu là tout ça. Bon, moi, tu sais quoi, j'ai d'autres trucs à faire. À tout à l'heure. Non, c'est Spooky. Reste là. Allez, allez, sois gentil, moi, Thomas le Train.exe. Je te l'avoue, ça me fait vraiment trop flipper, hein. Maintenant, tu fais moins ton malin, Sim Spooky. Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. En tout cas, nous, on va pas perdre plus de temps. On va directement s'équiper du drone, se rendre jusqu'à la voiture. Mais avant tout, avant ça, les gars, je compte sur vous. N'hésitez pas quand même à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça nous soutient dans toutes nos aventures. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Et pensez bien à activer la petite cloche des notifications. Et allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps et on se retrouve directement en voiture. Allez, let's go! Eh ben ça y est, on est prêt, on est en voiture les gars. Allez Sim Spooky, t'es prêt ou quoi là? Mais ouais, moi je suis vraiment trop chaud là, tu vois. J'ai déjà la télécommande en main, je viens de faire les réglages. Là, on est fin prêt, hein. Ok, là j'aime bien ce que tu proposes Sim Spooky. Maintenant croyez-moi les gars, on va faire notre maximum pour retrouver Thomas le Train, hein. Attends, non, c'est pas Thomas le Train normal, hein. C'est Thomas le Train.exe, hein. Donc il va falloir vraiment faire attention, ok. Oui, précision très importante. C'est vrai que nous avons affaire à Thomas le Train.exe. Oh, attendez, mais il y a un train, il y a un petit train qui passe. Regardez, il y a un train. Wow, il y a un petit train les gars. Wow. Eh bon allez, moi je propose directement qu'on fasse décoller le drone. À mon avis, ça sent le Thomas le Train.exe dans les parages, hein. Le drone est paré au décollage. C'est parti, let's go les gars. Ok. Oh bah, attends Sim Spooky. Retourne-toi. Fais coucou au drone. Coucou. Vas-y, reprends la caméra s'il te plaît. Et moi je vais directement prendre le contrôle du drone. Voilà, on voit la voiture, on voit, et juste à côté, regardez, on est tout juste à côté des voies ferrées les gars. Oui. Tu sais quoi Sim Spooky, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement survoler les ponts. Oui, on est juste à côté. Vous allez voir, c'est stylé. Franchement, vous allez pas être déçus. Alors, oh, regarde en plus, on y est et il y a un bateau qui passe. Mais oui, c'est les gros bateaux de livraison, les gars. C'est stylé, franchement. Et là, on a de la chance quand même. Au moment où on envoie le drone, il y a le gros bateau qui passe sous les ponts. Mais attends, mais Robtek, là, arrête un peu, hein. On s'en fout des bateaux, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Thomas le Train.exe, ok. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les voies ferrées. Allez, donne-moi cette télécommande. C'est vrai que moi, je m'intéresse aux bateaux, alors qu'en fait, c'est pas du tout le sujet principal de la vidéo. Bon, allez, c'est pas grave. Vas-y, Sim Spooky, je te laisse faire le boulot. Hey, non mais là tu sais quoi Robtek, j'ai trouvé un coin beaucoup plus intéressant. En fait c'est le pont à côté de la gare et il y a beaucoup plus de choses à voir en fait, hein. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Vous savez quoi les gars, on va essayer de se concentrer. Alors attends, regarde voir. Là tu vois. Ah ouais, c'est stylé. Le pont est vraiment stylé quand même, hein. Est-ce que tu peux essayer de passer en dessous pour voir? Ah là je te dis En fait non c'est risqué, c'est trop risqué. Non, le fais pas, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, c'est dangereux, surtout que c'est dangereux. Là t'es juste en dessous de l'eau. S'il y a un problème, c'est plouf, c'est terminé les gars, il y a plus de drone, hein. Ah bah alors, ouais, c'est clair. Fais attention, attends, ok. C'est quoi, je m'approche, mais prudemment quand même, hein. Ok. En tout cas, ce qui est vraiment, vraiment intéressant avec le drone, c'est qu'on peut vraiment inspecter tout ce qu'on veut. Et dis-toi qu'on pourrait aussi retrouver des pièces mécaniques de Thomas le Train. S'il est peut-être passé par là, c'est possible, hein, en mais fait. Attends, mais là, Robtek, là, je sens des vibrations, quelque chose qui arrive là. Ah ouais? À mon avis, ça doit être Thomas le Train qui arrive, non? Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, hein. Attends, là, j'ai bien le visuel. Oh, attends. Ah bah non. Eh bah non, en fait, c'est pas du tout Thomas le Train, c'est un train banal, quoi. Non mais tu t'es enflammé là. Non, attends, fais voir. Regarde. Bah non, c'est pas du tout Thomas le Train, ça. Non. Mais wow. Mais il est très long. Il y a combien de wagons là? Est-ce que t'es capable de compter combien il y a de wagons là? Ah là, mon avis. Ah bah non, c'est trop dur. Là, je peux pas compter. Il était vraiment, vraiment très grand. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de wagons. Hein. Bon, en tout cas, là, toujours aucune trace de Thomas le Train, mais on garde espoir. On reste concentré et on reste motivé. Ok, Sim Spooky. Ouais, ok. Allez. Bah, essaye. Pas qu'on lâche. Hein. Ouais, faut garder patience, les gars. À un moment donné, ça va payer. Hein. On y croit, les gars. On y croit. À un moment donné, on devrait bien l'apercevoir, ce Thomas le Train. Mais hein. Oui. Et alors, Sim Spooky, est-ce que tu vois quelque chose? Qu'est-ce qui se passe là, hein? Ah là, tu vois, je suis en train de quadriller toute la zone. Là, c'est un peu compliqué. Hein. Je vois pas grand-chose là. Hein. Oh, Sim Spooky, à mon avis, tu dois être aveugle. Allez, donne-moi un peu la télécommande. Moi, je vais piloter le drone. Oh oui, je vais prendre les commandes, les gars. Allez, on prend les commandes. Et là, oh, attends, il y a un train là. Encore une fois, c'est pas Thomas le Train.exe, mais c'est stylé. Non, c'est, il y a un train, il y a un petit train qui passe. Ok, bon. En tout cas, on peut dire qu'il y a beaucoup
beaucoup beaucoup de trafic hein. Attends, c'est Spooky, j'ai une idée. Pourquoi pas essayer de passer sous les ponts? Mais oui, regarde, j'ai une idée. Mais tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vois, juste à côté, il y a un pont, mais cette fois, c'est les voitures, c'est pas les trains, c'est les voitures. Je vais passer en dessous, mais cette fois, je vais faire le tour pour pouvoir directement aller au niveau des voies ferrées. Mais tu verras, tu vas comprendre. Regarde. Attends, par contre, faut faire attention. Là, c'est risqué, c'est une manœuvre très risquée, mais je me sens capable. Franchement, je m'en sens capable. On va essayer juste d'être vraiment très attentif. Faudrait vraiment pas faire d'accident parce que là, vous le savez, hein, sinon c'est dans l'eau et c'est terminé. Hein. Allez, on se l'allume entre les arbres, entre les branches. Et là, ça y est, on y est, les gars. Oh, franchement, je suis fier de moi. Je suis un très bon pilote, les gars. J'ai réussi. Et là, regardez, on est juste en dessous du pont. Oui, on est juste en dessous du pont. Et là, on va un petit peu monter l'altitude pour voir. Oh, attends, qu'est-ce qu'on entend là? Ah, je crois que c'est l'approche d'un train, ça. Oui, ça, c'est l'approche d'un train. À mon avis, c'est sûr. Quoi? Non, mais. Quoi? Je l'ai vu! Je te jure, je l'ai vu! Mais attends, mais t'es sûr? J'ai vu Thomas le train! Il est passé comme ça, là, juste devant moi! Je te jure que c'est pas une blague! Oh non, mais t'es sûr de toi? C'était le train bleu, là? Oui! Attends, vas-y, file-moi cette télécommande, là! Attends, mais non, mais là, tu te gourres complètement, Robtech, hein! Non! Quoi? Mais c'est pas Thomas le train, hein! Mais quoi? On pourrait y croire, mais non, c'est pas lui en fait. Hein. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde, c'est pas Thomas le train ça. Mais non, mais je te parle pas de ce train là, moi. Ça c'est un autre. Mais juste avant, j'ai vu Thomas le train passer. Je te jure que c'est pas une blague. Tu verras. De toute façon, tu verras à la vidéo. Mais écoute, je sais que ce train là est bleu, qui ressemble un peu à Thomas le train, mais cette fois-ci, c'est pas lui quoi. Mais j'entends t'expliquer que je te parle pas de ce train là. Je te parle du train qui est passé juste avant en fait. Bon, Sim Spooky, je crois que tu veux pas trop me croire. Je t'en veux pas, c'est pas grave. C'est quoi? Je vais monter un peu plus l'altitude et cette fois. Je pense qu'on va se diriger en gare. Oui, parce qu'à mon avis, Thomas le train est... Oh, mais c'est un wagon, ça. C'était quoi, mais ça? Ouais. Eh, mais là, non, mais là, cette fois-ci, là, je te crois, là. T'as hein. vu? Bah, là, les gars, il y avait le wagon de Thomas le train qui vient de passer. Mais il portait de la marchandise, en plus, t'as vu ça? Eh oui, il y avait portait beaucoup de marchandises, là. Hein. Bon, bah, moi, je reprends les commandes et je propose qu'on aille directement au niveau de la gare parce qu'il allait dans cette direction. Oui, ça, c'est vrai, ça. Hein. Et à mon avis, il y a possibilité qu'on voit Thomas le train à la gare. Vas-y. Ça y est, on est arrivé. Déjà? Regarde. Ah ouais, t'es rapide, hein, Sim Spooky. Et nous sommes rentrés en gare, la Robtech. Ah ouais, bienvenue à vous les gars. Là, on est bel et bien arrivé en gare. Et là, waouh, wow, oui, il y a beaucoup de lignes de train. Mais regarde par contre, combien y a-t-il de voies ferrées là? Mais il y en a beaucoup trop. Mais il y en a énormément là. Hein. Je sais même pas où surveiller quoi les gars, je te jure. À mon avis, Thomas le train.exe, il doit être dans les parages, hein, je le sens. Il doit pas être très loin les gars. De toute façon, là, on a suivi ses traces. Donc là, à mon avis, il doit pas être très loin. Ce que je veux dire par là, c'est que... attends, je sais pas si tu remarques, mais... Mais quoi? J'ai l'impression qu'il y a des voies ferrées qui sont complètement abandonnées. C'est peut-être les voies spéciales de Thomas le train.exe, non? Mais oui. Bah, j'avoue que ça peut porter à confusion, hein. Mais bah oui, à mon avis, il doit utiliser les rails abandonnés, lui, hein. Oui. Bon, bah, tu sais quoi, moi, je vais baisser un peu l'altitude. Ouais. Je vais me mettre au niveau des rails. Mais... Quoi? Eh, je l'ai vu. Hein? Je l'ai vu. Sérieux? Je l'ai vu de profil. Attends, mais regarde là. Attendez. Je l'ai vu passer, j'en suis sûr. Il est passé? Mais de quel côté? Mais oui, je l'ai vu au niveau des voies ferrées abandonnées, j'en suis sûr. Ah bah tu vois, je le savais. Moi je le savais que Thomas le train utilisait spécialement les voies ferrées qui sont complètement abandonnées, qui sont plus du tout entretenues, tu vois. Mais pour le coup, t'avais raison, t'avais visé juste. Hein. Ok, bah tu sais quoi, maintenant qu'on a cette information très précise, on va spécialement surveiller ces voies ferrées là, ok? Tu sais quoi, je vais baisser gravement mon altitude là, on y verra plus clair, hein. Ouais, bonne idée. Ouais, ok, ça, bonne idée. À mon avis. Attends, fais voir. Regarde là, on y est proche, hein. Ah ouais, là, regarde, bah tu vois, ils sont complètement abandonnés, ces voies ferrées là, hein. Donc, oui, c'est spécialement ce que Thomas le train utilise pour se déplacer en toute discrétion. Il est malin, franchement, il est malin, celui-là. Il est très intelligent, mais d'ailleurs, nous, avec le drone, va falloir se montrer prudent, parce que c'est pas forcément ce qui peut se passer. Bon, bah pendant que Sim Spooky gère la situation, je vais dès à présent vous montrer la version démoniaque de Thomas le train.exe. Vous allez voir, il a un aspect vraiment terrifiant, les gars. Je veux vous montrer ça, ça me tient à cœur. Et accrochez-vous bien parce que ça fait flipper, oui. Et hop, et voilà, je vous affiche directement ça à l'écran. Ça fait flipper, les gars. Oui. On peut voir que Thomas le train se métamorphose comme une énorme araignée, un géant mille pattes. Et ça fout des frissons dans le dos, là, je vous mens pas, ça fait flipper, hein. Bon, Sim Spooky, c'est pas contre toi, mais là, je vais devoir récupérer les commandes. Ça commence à devenir un petit peu dangereux, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on le sait très bien. On doit sûrement avoir Thomas le train.exe dans les parages. On est actuellement au beau milieu de la gare, les gars. Et là, va falloir vraiment être très attentif. Et oh, attends. Oh,
J'ai pas rêvé. Attends, je l'ai vu passer. Sim Spooky, j'ai cru voir passer Thomas le train, mais en fin de compte, je suis pas sûr. Il est passé tellement vite, il est tellement rapide que... Waouh. Attends. Bon, je vais essayer de le suivre. Oh purée, je vous jure, il est passé à une vitesse. Je crois qu'il est même passé à 200 km à l'heure, hein. Ça c'est sûr. Attends. Bon, continuons à rester concentrés parce que là, je crois que... Là, je l'ai vu. Là, je t'ai vu, hein. Waouh. Là, je l'ai bien vu, Sim Spooky, je te jure. Non, mais là, ça commence à devenir intriguant, là, hein. Il fait que de faire des allers-retours ou quoi. À mon avis, il cherche quelque chose, il cherche sa proie. Donc, fais attention avec le drone, ok? Ouais, là, je vais faire très attention. Ça commence vraiment à devenir flippant, là. Je sais pas, mais ça craint. Franchement, ça craint. J'aimerais surtout pas le voir quand il est en colère et quand il se métamorphose en mille pattes, là. Je te jure, j'ai envie de voir ça, donc... J'avoue que c'est vraiment terrible. Quand il se transforme comme ça, hein. Il est très rapide, les gars. C'est ça le truc, en fait. C'est que... Et... Oh, attends. Ah bah non, bah là ça va. C'est pas Thomas le train, mais c'est stylé. Je trouve ça quand même déjà stylé. Ouais, j'avoue que c'est stylé, hein. Ouais, il est rapide, hein. Celui-là, il est très rapide aussi, hein. Mais non, je pense qu'il est pas plus rapide que Thomas le train, hein. Ouais, t'as raison. Franchement, il n'y a pas plus rapide que Thomas le train. Attends. C'est quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, Sim Spooky, il y a un problème là. Mais c'est quoi le problème là? Il y a un problème là, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai plus le contrôle du drone. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu vas pas le croire. Non, Sim Spooky, c'est la catastrophe. J'ai plus aucun contrôle, j'ai plus de signal, j'ai plus rien. Regarde, ça y est, c'est terminé. Oh non, mais comment t'as fait? Mais les gars, je vous assure, j'avais plus aucun contrôle du drone. Et c'est là que Thomas le train m'a foncé dedans, quoi. Ça y est, je crois que pour le drone, c'est foutu, on l'a perdu. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut faire, mais... Allez, Robtech, laisse-moi faire, je vais essayer de reconnecter le drone pour pouvoir reprendre les commandes, quoi, hein. Là, c'est fichu, Robtech, hein. Allez, les gars, Thomas le train complètement détruit le drone. Je pense qu'il est arrivé à une vitesse que je pouvais plus rien faire. Je te jure, je pouvais plus rien faire, les gars. Mais en tout cas, là, je crois que c'est clairement le pire des scénarios. Regardez, c'est affiché no signal. Donc ça y est, à mon avis, le drone est complètement décapité. Inutile d'aller essayer d'aller le rechercher, je pense. Je pense que là, c'est foutu. Je pense que là, c'est vraiment foutu. À mon avis, il est dans l'estomac de Thomas le train. Il est en train d'être en digestion, là, je pense. Oh non, me dis pas ça, Sim Spooky. Là, franchement, on n'a plus le drone, les gars. On a perdu le drone. Bon, bah maintenant, on peut plus rien faire. Je crois bien que c'était maintenant la fin de cette vidéo. Si vous avez des solutions, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire directement en commentaire. Mais là, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein. Non, mais le Robtech, là, le problème, c'est que t'as trop pris la confiance. Tu t'es trop approché des voies ferrées. Et là, bah, Thomas le train, il n'a pas hésité. Boum, quoi. Mais moi, je voulais essayer de capturer Thomas le train le plus près possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, ah bah là... c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à nos différentes chaînes YouTube. Tout va s'afficher à l'écran et tout est en description. On compte sur vous. Allez, sur ce, on vous fait plein de gros bisous. C'était moi-même et Sim Spooky. Allez, ciao.